Mmh. Oh mon Dieu. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Je me régale vraiment. Vraiment? Cela veut dire que tu en veux plus, n'est-ce pas? Non. Tu veux me tuer. Toute personne qui mangera ça ne sera pas capable d'aller au travail demain. Je veux dire, si je mange encore plus, je vais devoir louer l'une de vos chambres d'amis pour passer la nuit. Regarde. Cependant, ça ne me dérange pas de venir demain pour un autre tour. Allez, Casey. Sens-toi à l'aise de venir dîner ici quand tu veux. Vraiment? Bien sûr, nous avons beaucoup à partager. Combien est-ce que tu vas donner pour la chambre? Jude, s'il te plaît, ne prête pas attention à ton ami, il blague. Je le sais. Vraiment. Mm-hmm. Tu es ma femme, et pas celle qui cuisine pour lui, mais aussi gratuitement. Tu sais, je ferais mieux d'en profiter pendant que ça dure. Parce que très bientôt, vraiment très bientôt, je vous promets que vous allez vous ennuyer avec toutes ces petites souris qui courent partout dans la maison. J'aime ce que j'entends de ta bouche aux oreilles de Dieu. Et je dis amen. Je crois en fait que tu seras une excellente mère. Je peux le dire haut et fort. N'est-ce pas? Ouais. Ah, te voilà. Madame, quelle heure as-tu là? Jude, je crois que nous devons imposer un couvre-feu à cette... C'est une grande fille. Arrête, ça serait. Nous avons une invitée et tu es en train de m'embarrasser. T'embarrasser? Hey! S'il vous plaît, qui est cette personne qui rend ma petite sœur si consciente? Est-ce que c'est ce beau jeune homme assis ici? Oh, je t'en prie. Oh, je vois ce qui se passe ici. Je ne veux certainement pas épargner tous les détails, Nonzo. Allez, laisse ma sœur tranquille. Tant qu'elle n'a pas une bague sur son doigt, elle n'est pas clouée à Nonzo. S'il te plaît, assieds-toi près de ce beau jeune homme. Ce très beau jeune homme. Tu sais quoi? Je vais être très gentille avec toi ce soir. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Ok, Casey, tu m'écoutes? Voici ma petite sœur. Elle m'est très, très chère. Sens-toi libre de sortir avec elle quand tu le veux. Même si tu veux sortir avec elle ce soir, sens-toi libre. Tu sais que tu blagues beaucoup, n'est-ce pas? Je ne blague pas, allez, je suis sérieuse. Hein? Merci, Sœurette. Y'a pas de quoi. Santé, hein? Santé, même si c'est juste de l'eau. Je vais engager un enquêteur. Engager qui? Tu ne veux pas laisser ces jeunes profiter de... Oh, s'il te plaît, laisse-moi apporter ta nourriture. Okay.
Ouais. Alors, je vais appeler Loulou ce soir ou peut-être demain ou pendant les premières heures du matin. Ouais. De cette façon, je serai sûr qu'il sera vraiment éveillé. Bien sûr, c'est vrai ça. Mais quand est-ce que Dan mettra fin au plan de construction? Nous devons avoir une réunion technique pour pouvoir parler des nouvelles rénovations. Bien sûr, mec. Ok. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, mec. Mais salutations à ta femme et à sa sœur. Surtout à sa sœur. S'il te plaît, va-t'en. Tu es bordel. Chez qui crois-tu que j'ai copié? Allez, frérot, si ce n'est pas Marissa qui n'arrête pas de te dompter. Vas-y, dis-moi. Allez, tu sais comment ça se passe. C'est une bombe. Allez. Une véritable bombe et je suis un chasseur. Alors je dois chasser, dompter. Je dois chasser. J'aime ce mot, dompter. Mais en réfléchissant, mec, attends. Comment se fait-il que tu ne m'as pas dit qu'elle venait d'aménager chez vous? Je veux dire, pourquoi tu cachais ça, ton frère? S'il te plaît, prends tes pieds et pars chez toi, laisse-moi te faire connaître. Tu sais que je suis célibataire, n'est-ce pas? Mais je ne connais pas la différence entre des divers plats. Je connais toujours les différences. Si tu comprends ce que je veux dire. Je sais. Bonne nuit. D'accord, mec. Je t'aime. Bonne nuit. Moussa! S'il te plaît, le portail. Hey, bébé. J'étais en train de... Bébé, je ne suis pas prêt pour ça. Allez, bébé, cette nuit est une nuit spéciale. Ce soir, je veux juste me coucher avec ma femme. Parler de tout et de rien. Comme ma journée, par exemple. Ce véhicule bizarre qui n'arrête pas de me suivre. C'est la cinquième fois que tu fais ça en deux mois. Faire quoi? Me dire non. Alors, qu'est-ce qui compte? Tu m'as dit non, mais toutefois, je n'en ai pas fait tout un plat. Un, deux, trois, tu comptes encore un millier. Ou devrais-je dire 10 000 fois? Jude. Ça, c'est exactement ce dont je parle. Débarrasse-toi de cette pilule. Nous avons tous les deux été testés. Nous allons bien. Le bébé viendra quand il viendra. Tu sais que ces médicaments ont des effets secondaires, n'est-ce pas? Et je suis sûr que l'un d'eux, c'est l'obésité. Oh, bébé. Dis-tu que je suis grosse? Tout ce que je veux dire, c'est que tu prennes une pause. Allez, bébé, ce sont juste des médicaments de routine pour s'assurer que tout va bien. Tout ce que je dis, que ça devient vraiment agaçant chaque fois que je veux faire l'amour. Ce n'est plus du tout amusant. Tout ce qui t'intéresse, c'est juste faire des bébés, mais ils ne viennent pas. À quoi d'autre est-ce que je dois penser? Pour l'amour de Dieu, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Et nous ne rajeunissons pas. Et avec ta mère qui n'arrête pas de m'appeler pour me rappeler ma situation. Tout ce que je dis, c'est que je n'en veux plus. Point final. Bébé. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Franchement, Viviane, je ne sais pas quoi penser en ce moment. Je le jure, je pense que je vais perdre la tête. C'est la 5e fois que j'essaie en 8 semaines. Il me dit non. Il est même parti. Allez, Marissa, détends-toi. Ce n'est pas facile d'être tranquille et calme. Tous les mois, c'est le même résultat négatif. Ce n'est pas facile en tant que personne et son ego en tant qu'homme. Je comprends. Honnêtement, j'essaie fort de le comprendre. Ah, mais tu connais ce dicton qui dit qu'une femme sait quand son mari se fout d'elle. Tu n'es pas dans un bon esprit d'état pour faire des suppositions, Marissa.
Tu es stressée. Et c'est normal d'être stressée par rapport à ces choses. Et si tu veux, je pourrais parler avec mon mari. Tu connais ces hommes. Ils se comprennent entre eux. Mais je suis sûre que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Marissa, tu sais, la conception n'est pas chose facile. Alors arrête de te frustrer. Je t'en prie, cesse de te m'enfendre. Parce que tu essayes, ça échoue. Tu essayes, ça échoue. Tu essayes, ça échoue. Je veux dire, n'importe quelle fille la doit pourrait voir une occasion et tomber enceinte de lui. Écoute, Marissa, détends-toi, ma puce. Ok? Juste détends-toi. Calme-toi, ma puce. Tu sais quoi? Tu dois te confier à un thérapeute. Ou à un père spirituel. En fait, n'importe qui pourra te faire sortir de cette anxiété. Oui? Mais d'abord, fais cela avec moi, ok? Inspire, vas-y. Inspire, vas-y. Encore? Salut maman, comment se fait-il que tu sois encore là? Oui, j'attends ma sœur Lala. Oh, mes leçons sont sur le point de commencer, je dois partir maintenant. Ok ma chérie, sois une très bonne fille. À plus tard ma belle. Bonjour. Bonjour, Martha. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Comment était ta nuit? Merci. Tu t'en vas sans le petit déjeuner? Je me le demandais aussi. Bonjour, bébé. Je t'ai fait ton petit déjeuner comme tu l'aimes. Je suis en retard. Je ne le dis pas très souvent. Mais tu as raison et j'ai tort. Je suis désolée. Bébé, c'est bon. Tu as totalement raison. J'ai été injuste envers toi. Hein? Et aussi envers toi, bébé. Mon amour. Avec un enfant ou pas. Ça n'a pas de différence. Je t'aime. Et rien ne pourra changer ce que je ressens pour toi. Peu importe. Nous sommes en bonne santé. Alors nous méritons une pause avec toutes ces tensions et pressions. Alors fais une pause. Si ça arrive, ça arrivera, ok? Ouais, bien sûr. Tu as raison. Je suis désolé. Je suis désolé aussi. On n'arrête pas de se dire désolé. L'amour est beau. Je suis désolé. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas quand je t'ai vu boire à 2h la nuit dernière. Ton petit ami devrait venir vite t'épouser, oh. Comme ça, tu pourras apprendre à t'occuper de toi. Allez, on la laisse tranquille, ok? Cette fille... S'il te plaît, je suis très en retard. J'aimerais que tu mettes mon petit déjeuner dans un sac. Ah, ok, je vais le faire. Ok. Il va bien. Calme-toi, ma puce. Oh. Calme-toi, il va bien. Ouais, oui. Il va bien. Mon Dieu. Je t'ai dit que je gère. Seigneur. Calme-toi. Tout ira parfaitement bien bientôt. Merci beaucoup de t'occuper de ça. J'en suis ravie. J'avais très peur. Pourquoi est-ce que tu avais peur alors que je suis là? Je suis là pour toi. Tu sais quoi, il est là avec sa mère. Oh, vraiment? Ouais. Et elle ne veut pas connaître qui a cogné son fils. Elle est juste reconnaissante qu'il soit en vie et en santé. Elle profite bien de lui et toi, tu es ici à te morfondre. Jenny, s'il te plaît, je lui ai apporté ceci. Oh, waouh. Waouh. Il recevra ton cadeau. Okay. Avant ça, merci. Allons regarder notre nouveau produit et voyons comment est-ce que ça se passe. Jenny, s'il te plaît, je ne veux plus faire ce scan.
Encore moins continuer avec la procédure. Marissa, quoi encore? Écoute, Jude veut un enfant. Alors? Mais il veut que ça arrive quand ça arrivera. Il n'est pas aussi désespéré que moi et c'est une bonne chose. Écoute, je suis en train de perdre la tête. J'ai besoin d'une pause. Je pense que je ferai confiance à Jude. Tu sais quoi, ma puce? Quoi? Peu importe ta décision. Peu importe ce que tu crois qui est meilleur pour toi. Je te soutiendrai en tout. À 100%. D'accord? S'il s'agit de toi, je te soutiendrai à fond. Merci. Et une chose de plus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une chance pour moi d'avoir un thérapeute? Je dois parler à un professionnel en ce moment. Oh, waouh! Ouais, docteur Patrick. Ok. Ouais, il est le meilleur spécialiste que nous avons ici. Okay. Il est également bon dans l'orientation. Mais tu sais quoi, il n'est pas là en ce moment et je vais te donner son numéro, d'accord? Ok. Et puis tu pourras l'appeler plus tard et prendre un rendez-vous. Est-ce Merci que ça te convient? Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Tu es une très bonne amie. Ne me trompe pas avec ça. Tu sais très bien ce que quoi? Je veux. J'aime bien les pots de glace, alors tu vas m'en acheter. Excuse-moi, la glace? Qui est-ce qui parle? C'était maintenant mes dessins. Être mauvais pour ta santé. Pardon, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. En fait, pourquoi ne pas me laisser quelque chose pour réfléchir, quelque chose pour rêver de toi? Ce que tu fais, la couleur de tes sous-vêtements, ou même ce que tu portes. Juste ce dont j'ai besoin en ce moment. Je suis là maintenant. Alors, que... Bonjour, madame. S'il te plaît, j'aimerais voir ton patron. Je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que tu dire par là? Il a donné un ordre que personne ne devait entrer, peu importe qui. Je suis sa femme et je mérite de voir mon mari quand j'en ai envie. Je comprends très bien la situation, madame, mais c'est ton ordre. Mon Dieu, oui, tu attends quelqu'un. Il faut que tu te caches. Où vais-je me cacher? Cache-toi, cache-toi! Merci. Es-tu folle? Tu m'empêches d'entrer dans le bureau de mon mari? Je suis désolée, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée, monsieur, j'essayais de l'empêcher d'entrer, vous avez donné un ordre. Elvira, Marissa ici est ma femme. Elle a tous les droits d'entrer. Mais c'est monsieur... Bon. Chérie, je suis désolée pour ça. C'est quoi ce genre de honte? C'est bon. Mon cœur, j'ai faim, pouvons-nous aller quelque part? Je dois me rafraîchir. Tu es bien comme ça, ok? Allons-y, s'il te plaît. Tu es bien. Allez. Toi, t'es viré. Monsieur? Attends. Je sais pourquoi je te laisse partir cette fois. Bébé. Ouais. Au fait, tout ce que nous méritons est déjà à nous. C'est juste une question de temps. Tu as raison. Et je suis très contente que tu sois bien. Devrais-je rougir? Hey, ne rougis pas. Bébé, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Promets-moi de ne pas t'énerver. Qu'as-tu fait cette fois-ci, femme? J'ai cogné un homme il y a quelques jours. Tu dis quoi? Tu as cogné un homme? Est-il mort ou... Non. Bébé, calme-toi. Il n'est pas mort, il a survécu. Jenny m'a aidé à l'hôpital. Elle l'a aidé à très vite se rétablir. Il se porte bien, je te le promets. Attends! Quand est-ce que c'est arrivé? Quand? Quand est-ce que tout ceci est arrivé? La voiture qui filait l'autre jour, la voiture rouge, c'était moi. Toi? C'était donc toi dans la voiture rouge? Je croyais que quelqu'un était après moi. Marissa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bébé, s'il te plaît, je ne savais pas à quoi d'autre penser. Je me rejetais nuit après nuit et je ne savais pas... Que tu étais fatiguée de chercher des enfants, j'ai pensé qu'en fait, tu me trompais. Est-ce que tu peux juste t'écouter? S'il te plaît. Tu m'as suivi parce que tu croyais que je te trompais? Tu es sérieuse? S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas. Bébé, s'il te plaît, ne... Calme-toi, écoute-moi, s'il te plaît. Calme-toi.
Ok, je vois une thérapeute. Ok? Ah, alors, tu admets que tu perds la boule. S'il te plaît, arrête ça. Ne m'insulte pas. Qu'est-ce que tu espères que je dise? Ok, c'est bon. J'admets que je perdais la tête. Ok? Tu avais raison. Mais le thérapeute m'aide à surmonter tout ça. Il m'a dit d'abandonner mes peurs et de cette façon, je serai capable de détoxiquer notre relation. S'il te plaît, écoute bébé. Je te promets que je vais annuler tous mes rendez-vous de fertilité. Parce que je crois qu'il dérange mon taux d'hormones et ça me fait perdre la tête. S'il te plaît, je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Tu es un mari merveilleux. S'il te plaît, je travaille sur moi. Aide-moi à le faire, je suis désolée. Vraiment désolée. Ok, viens là. Merci. 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 Ça va, c'est bon. Ok, croisons les doigts que ce soit les spécialistes de la capitale. Essayons de les inviter, ok? D'accord, à plus. À plus. Ok, un instant. Salut. Salut. Vas-y, entre. Sois la bienvenue. Merci. Ouais. Je viens de terminer la réunion. J'imagine que t'es en retard. Eh bien, pas vraiment en retard pour ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est pour moi? Non, c'est pas pour toi. Oui, mon pote Jude. Comment tu vas, mon pote? J'imagine que c'est pour moi. Oh, oui, c'est pour toi. Oh. Wow, tu m'as pas dit que vous sortiez déjà ensemble. Ils sortent ensemble. Et tu ne m'as même pas informé. Allez, mon pote. Martha est la fille. Et toi, de l'autre côté, tu es son beau-frère. Et je ne pensais pas vraiment que j'aurais besoin d'un soutien, c'est pour les enfants. Je suis un homme. Oh, je suis un homme. J'aime ça. Waouh. Génial. Alors, Nonso n'était pas supposé être ton petit ami. Où est-ce qu'il entre dans tout ça? Merci, Jude. Je suis une femme libre. Et je ne suis pas encore mariée. Du moins, pas encore. Je ne compte pas juste m'arrêter ici. Vraiment? Maintenant? Hey, mon pote, est-ce que tu es contre cette relation? Eh bien, tu es un tueur en série. C'est la seule raison qui pourrait le déranger avec ça. Ouais. Alors, bébé, allons-y. De toutes les façons, amusez-vous. Merci. Bye. Bye. Amusez-vous tous les deux, amusez-vous. Regarde ça. Ton meilleur ami avec ma sœur, c'est magnifique. Je dois faire un truc. Excuse-moi. Quelqu'un n'est pas content. Comment te sens-tu aujourd'hui, Marissa? Franchement, docteur, je me sens beaucoup mieux qu'à notre premier rendez-vous. J'ai l'impression que mon esprit redevient normal. Ma relation avec mon mari s'améliore. Je lui ai confessé mes suspicions. Et comment cela a-t-il affecté l'évolution de votre relation ou les choses entre vous deux? Eh bien, il était un peu réticent. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je me sentais de cette façon. Mais je lui ai demandé pardon. Je lui ai fait comprendre que mon désespoir pour avoir des enfants m'a fait perdre la boule. Ajouté au rejet, maintenant je comprends qu'il ne me rejetait vraiment pas. Il rejetait juste l'idée de constamment vouloir des enfants. Et il m'a pardonné. Bien, je suis content d'entendre ça. Et vous avez l'air vraiment plus heureuse. Je crois que je le suis. Mais Marissa, je crois que vous avez quelque chose d'autre à l'esprit. Ou alors je me trompe? Docteur, ce n'est pas facile d'abandonner son rêve. Ça a toujours été mon rêve d'avoir mes propres enfants. Donner des enfants à mon mari, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Marissa, tu repars dans le passé. Désolée.
je veux que tu comprennes une chose. Que tu n'abandonnes aucun rêve. Ok. Ton rêve t'appartient. Et à toi seul de le réaliser. Ça coûte beaucoup d'argent pour élever un enfant. Tu as besoin d'amour, de protection, de provision, de soins et même de stabilité. C'est à toi de réaliser ton rêve et détends-toi. Reviens sur tes pas. Apprends à t'aimer. Et bien sûr, ta stabilité. Apprends un peu à te connaître. Ton esprit, tes désirs, tes émotions, ton courage et même ton corps. Tout ça est lié à produire des résultats dans n'importe quel domaine de ta vie. Je comprends, docteur. Je ferai juste cela. Alors, je vais te demander, quand était la dernière fois que tu as fait un voyage? Juste, toi seule. Je suis une femme mariée, docteur. Juste, moi, c'est terminé il y a longtemps. Je comprends très bien ce concept. Cependant, les moments comme ça arrive par occasion. Ok. Je vais te demander, où iras-tu t'abriter ou te sécuriser si tu devais t'enfuir tout de suite? Ma maison. C'est une réponse modeste, mais c'est un problème. Toi et moi savons que ce n'est pas vrai. Docteur, je ne comprends pas. Je suis aimée, abritée et en sécurité à la maison. Oui, tu l'es. Mais qu'en est-il de ton esprit? Et aussi, pour que tes rêves se réalisent, pense-y. Merci, docteur. Tu imagines des enfants courir dans toute la maison. Tu peux entendre leurs petits cris, leurs rires et leurs disputes. Ils t'appellent maman. Et encore, ils ne sont pas là. Ce n'est pas la sécurité. Ça, c'est la torture. Parfois, tu abandonnes tout espoir de réaliser tes rêves. Tu sais, j'adore beaucoup la forme de ton petit nez. Merci. Ouais, c'est vraiment beau. J'adore beaucoup cette forme. Je ne pense pas que ça sera nécessaire. Hein? Tu ne peux imaginer. Tu es vraiment maligne, hein? J'aimerais bien goûter ceci. Waouh, c'est vraiment très bon. Ça va. J'aime cet endroit. La nature et tout le reste, c'est beau. Cela veut dire que Nansu, c'est du passé. Tu es à l'aise avec ça? Bien sûr que oui. Ma sœur est une adulte, je ne peux pas choisir pour elle. De toutes les façons, où sont les serveurs? Je dois aller aux toilettes. Vraiment? Me mettre à l'aise. Bien sûr, bien sûr.
ici. Marissa, prie en plein acte. Qui aurait pu croire que la super chef en personne sera trouvée dans un restaurant sophistiqué? Ça s'appelle un rencard. Je parie que tu ne sais rien sur ça. Ok, à quand t'attendre pour la dot? J'aurais dû savoir qu'il y a une raison pour laquelle tu m'as demandé de venir m'asseoir. Kessia, ma sœur est très fragile. S'il te plaît, ne brise pas son cœur. Marissa, j'aime vraiment beaucoup ta sœur. Tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter. Ok. Je te crois. Alors, où est passé Jude? Il est allé aux toilettes. Ok. Je vais juste m'occuper de mes affaires, alors. Et je vais m'occuper des miennes. Profite de ton rencard. Toi aussi. Ok. Salut, Jude. Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Je vois que ce qui est entre mon ami Kessie et toi devient sérieux, hein? J'imagine que tu peux dire cela. Oh, es-tu jaloux? Oh, Jude! Oh, enfuis-toi là! Tu me fais mal, Jude! Tu me fais mal, Jude! Arrête! Et toi, tu n'es qu'un gros con! Je te l'ai déjà dit! Que je ferai ce que j'ai envie de faire et avec qui je veux! À moins que tu veuilles divorcer de ma sœur et m'épouser. Je suis une traînée, souviens-toi. Tu peux aller trouver ta femme. Bébé. Bébé. Je nous ai apporté des verres juste pour nous mettre dans l'ambiance. Oh, waouh. Merci. Santé. À nous et à l'amour. Ok. C'est tellement rafraîchissant. Ouais. Alors, dis-moi. Tu as l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Pas vraiment. Tout à coup, je me sens un peu étourdie. Mais c'est bon. Tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Je pense que tu devrais te reposer. Mon cœur, repose-toi. Je me sens tellement étourdie. Tu vas bien? Je vais bien. Ok, essaye de te reposer. Ok. Bébé, tu vas venir te coucher avec moi, n'est-ce pas? Oui, tout de suite. D'accord. On dirait que tes potions magiques ont enfin fonctionné. Je me demande pourquoi tu as utilisé ça sur elle cette nuit. Eh bien,
Je suis une traînée, rappelle-toi. Je n'ai pas été épargnée non plus. Tu m'as traité de gros con, tu te rappelles? Tu l'as cherché. Et qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis juste... Quand j'ai terminé, il respirait à peine. Oh. À un moment, j'ai eu peur. Je veux dire, comment vais-je expliquer ça aux gens? Copine, tu es une petite cochonne. Non, je ne le suis pas. Il est un bon tombeur. Et tellement généreux. Alors, je devais le récompenser pour son acte de désir désintéressé. Tu paries qu'il est. Donc, je ne pourrai plus jamais voir Cassie d'une façon innocente. Allez, sœurette. Ce sont ces innocents qui pourront te rendre dingue. Vraiment? Mm-hmm. Eh bien, ce n'est plus un secret que... Alors, est-ce que vous pouvez m'aider avec des astuces pour faciliter la procédure? Je ne pouvais jamais imaginer qu'un moment viendra où les gens mariés allaient demander à nous les célibataires des conseils. Vraiment? Peu importe. Allez, sœurette, tu n'es plus du tout intéressée. Excusez-moi. Je parie que ton mari fait déjà un bon travail. Quoi? Allez, copine, je ne suis pas stupide. Je t'assure que je suis différente. Copine, je te connais. Je sais que tu ressens un truc pour ce mec. Mm-hmm. Une excitation inhabituelle. Il n'y a aucun moyen que ce mec s'entende très bien avec Cassie. Tu sais pourquoi? Pourquoi? J'y étais. Les célibataires, voilà ce que nous faisons. Coucher partout. Ouais. Profiter pleinement de la vie. Mm-hmm. Je l'ai fait. Et il est hors de question que Cassie soit ce gars. Attends une minute. Tu veux dire Cassie et toi êtes sortis ensemble? Non, c'était une histoire d'un soir. Oh. Et si je peux noter ma relation avec lui, je donnerais un 6 sur 10. Ah, je lui donnerais 4. Meuf, tu es tellement méchante. Ne le blâme pas d'être méchante. Il est un amoureux tellement radin. Il est évident que ce n'est pas l'argent, mais tu sais de quoi je parle. Oui, je comprends très bien. Bien sûr. Tu veux dire que certaines façons de toucher sexuellement et des manifestations sont un sacrilège pour lui? Un petit garçon, il ne sait même pas comment bien s'amuser. Mmh. Qui le lui montrera? Toi? Non, meuf. Mes mains sont déjà pleines. Et Cassie n'est juste qu'un passe-temps. En plus, il dépense beaucoup sur moi. Et tu sais que c'est amusant quand tu trimbales deux meilleurs amis ensemble. Ça me fait me sentir puissante quand je suis au-dessus. Je vois. Et ta sœur? Allez, ma sœur? Ma sœur a besoin de cours de sexe pour l'aider à tomber enceinte. Je veux dire, cette femme a déjà vécu tous ses meilleurs moments. Tout ce qui la préoccupe maintenant, c'est d'avoir son propre enfant. Si tu le dis. Je vais lui réserver un ou deux jours pour jeûner et prier. Tu ne le feras pas. Tu connais juste le ciel quand l'engin de son mari est en toi. Meuf, tu me connais très bien. Espèce de cochonne. 20% pour 1000. C'est environ 38 millions de fortune. Mais si nous disons oui, nous allons perdre notre avantage de valeur réelle. Mais bien sûr, nous aurons besoin de plus d'argent. Bon, nous pouvons toujours négocier. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous aurons besoin de plus d'argent pour l'exécution avec moi à donner. Regarde, au moins commençons par la stratégie révolutionnaire. Nous devons travailler sur ce terrain. En plus, notre investisseur ne nous prête pas juste de l'argent. Elle nous prête aussi son expertise et ses connexions. Allez, Jude, nous avons déjà atteint ces chiffres encore et encore. Et en plus, nous avons déjà eu à réaliser la plus grosse somme de 500 000 dollars. Et ça, c'était juste un espace de 2 ans. Et ne me laisse pas te rappeler que nous visons 2 millions dans 5 ans. Allez, mec, essaye de le convaincre. Augmente ça au moins à 10%. Nous allons la perdre. Non. Elle se rendra compte de ce qu'elle perd quand on décidera de partir. As-tu oublié que cette femme est une blanche et nous, des Nigériens? Qu'est-ce que cela a à voir avec les affaires? Si ça ne l'intéresse pas d'investir dans un investissement réel, alors qu'elle dégage. Cassie, tu oublies que cette femme fait des affaires avec méfiance. Juste une petite erreur et elle va tout claquer. Alors qu'elle abandonne.
Cela ouvre plus de portes à un investisseur plus sérieux qui est prêt à nous apporter plus d'argent. Laisse-moi te rappeler que nous n'allons pas réduire nos valeurs simplement à cause d'une blanche qui essaye de payer trois fois rien et nous avons peur de la perdre. Nous pourrions la perdre si nous négocions. Toutefois, si nous ne négocions pas, elle courra vers la première personne à l'écouter et lui dira « Oh mon Dieu, comment t'es-tu fait avoir par trois singes noirs ?» sans un indice de leur valeur. Écoutez, vous pouvez croire que c'est raciste, mais pourtant, c'est vrai. Je peux clairement voir que mon opinion ne compte pas. Mon opinion ne compte plus en quoi que ce soit. Casey. Jude, ton opinion a toujours compté. De quoi exactement parles-tu? Vous savez quoi? Oubliez ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Wow. Attends une minute, mon pote. Non, Jude. Nous ne tolérons pas la division entre nous. Est-ce que c'est à cause de Martha? Et puis d'ailleurs, qui est Martha? Parce que depuis un certain temps, tu te comportes bizarrement et tu fais beaucoup de caprices. Je n'ai vraiment pas trouvé nécessaire de t'informer que je voulais sortir avec ta belle-sœur, tu comprends? Je ne l'ai simplement pas fait, parce que nous sommes des adultes. Est-ce que tu couches avec elle? Pardon? En quoi est-ce que cette information va te servir exactement? Réponds-moi simplement. Tu sais, Jude, tu es bizarrement... étrangement sensible à cette affaire, et je te conseillerais de te détendre, parce que ça te fait te comporter bizarrement. Eh bien, comme tu me le demandes, elle est une bombe. Une vraie bombe. Mais je suppose que tu le sais déjà, vu le fait qu'elle soit ta belle-sœur. Ça coule dans les veines, ça coule dans les veines. Ou alors, est-ce que tu l'as réservée pour toi-même? N'ose plus jamais me frapper. Tu veux dire que Casey t'a fait ça? Ce que je lui ai fait est pire que ça. Je devrais le voir. Incroyable. Pourquoi étiez-vous en train de discuter? Nous avons eu des opinions différentes sur un investissement. Ça arrive toujours. Les hommes, on ne peut jamais les comprendre. C'est vraiment drôle, Seret. L'autre jour, Judas dit que ce sont les femmes qu'il ne pouvait pas les comprendre. En particulier les célibataires. Laisse-moi profiter de ce repas. De toute façon, sont ma puce. Mon cœur. Je vais voyager demain, juste pour 3 jours. C'est une expérience thérapeutique pour moi. Je suis désolée si c'est un mauvais moment. Mais je dois y aller. C'est bon. C'est bon? Pas de refus? Bébé, j'ai passé une journée vraiment difficile. Ah. Tu vas arrêter de voir Casey, n'est-ce pas? Parce que vous vous êtes battus? Souviens-toi, les frères se disputent, les sœurs se chamaillent. Tu sais comment ça se passe. Je me sens un peu étourdie. Quoi? Tu l'as drogué en plein dîner? Je devais te parler.
Que diable ne va pas avec toi? Tu veux nous exposer? Il me l'a craché en plein visage. Il a dit que t'es une bombe. Bien sûr que je suis une bombe. Écoute-toi un peu. N'as-tu pas de conscience? Comment peux-tu coucher avec moi et mon ami? Ok, bien. Pourquoi ne pas faire une partie à trois? Tu couches avec moi et tu couches avec ma sœur. Alors, quelle différence est-ce que tout cela fait? Martha, je n'ai plus couché avec ta sœur depuis que nous avons commencé. Et tu le sais. Ouais, n'est-ce pas? Parce que tu es fatiguée d'essayer de faire tes bébés. C'est pour ça que tu l'as droguée à dormir, entre-temps. Eh bien, peu importe ce que tu fais, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Tu es une diablesse. Oh, et c'est pour ça que tu es ensorcelée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te faire ça parce que je sais que tu es un bébé. Tu es folle. C'est tellement bon. Tu es vraiment folle. Une bombe, n'est-ce pas? Oh, tu es au courant. Eh bien, je suis désolé. Je n'ai pas voulu dire tout ça, mais je ne sais pas ce qui arrive à toi. Je ne sais pas ce qui t'arrive. À un moment, tu dis que tu es un homme, et puis tu racontes tes secrets. Je n'ai pas raconté. Écoute, tu sais quoi? Jude n'a pas arrêté de s'en mêler depuis que nous sortons ensemble. Ça ne te dérange pas? Alors tu balances nos secrets? Ensuite, tu le frappes? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors quoi? De toute façon, il est ton beau-frère, alors je te dois toujours une excuse. Je suis désolé. Écoute. Je suis désolé. Lâche-moi, va-t'en. Écoute. Mélissa! Martha! Chut! Ils sont même par ici. Des assiettes sales. Ils n'ont même rien cuisiné. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Ah, c'est même fermé. Oh. Mélissa! Martha! Marissa. Martha et Jude, où est-ce qu'ils sont? Ok, je sais qu'il ne m'attendait pas. Hey. Abomination. Martha et Jude. Abomination. Abomination. Hey. Ces gens vont me tuer! Hey! Maman, qu'est-ce que... Vous allez me tuer! Hey! Ce n'est pas ça! Mes ennemis vont se moquer de moi! Maman, s'il te plaît! Hey! Maman, vous sommes désolée, maman! Maman! Salut! Jude, qu'allons-nous faire? Nous devons l'arrêter! Hey! Mes ennemis vont se moquer de moi! Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Hey! Hey, oh! Qu'ai-je fait pour mériter ça, oh? Martha et Jude. Hey! Hey!
Hey! Allô? Hey! Abomination! Mon Dieu! Hey! Maman! Maman! Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Comment as-tu pu? Maman, s'il te plaît. Comment as-tu pu faire maman, cela à ta plaît, propre maman. Sœur? Ah, hey! Abomination! Maman, s'il te plaît, je te dis quelque chose. Comment ce Yoruba a pu te faire oublier tes valeurs et tes cultures? Maman, je suis désolée. Dis-toi quoi? Il n'y a quoi au moins? Maman, s'il te plaît, maman, ce n'est pas le temps pour les différences ethniques. Maman, maman, s'il te plaît, peu importe ce qui s'est passé entre Jude et moi, ça s'est déjà passé, maman. Maman, s'il te plaît. Oh Dieu, nous ne devons pas mettre Marissa au courant de ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire, maman? Maman, s'il te plaît. Comme ça, vous allez continuer à la tromper, hein? Non, maman, s'il te plaît. Tu vas continuer à te foutre de ta sœur. Hein? Pourquoi? Oh! Maman, s'il te plaît, nous sommes désolés. Dis-moi. Je dis quelque chose. Maman, s'il te plaît, nous sommes désolés. Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire? Maman, ce n'est pas le moment pour toi de faire ça. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas... Ok, et si Marissa découvre tout ça, parce que tu ne vas pas faire ça. Laisse-moi tranquille, laisse mon téléphone. Maman, si tu avais fermé tes chambres, on ne serait pas en train de parler de ça ici. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de te demander de laisser mon téléphone tranquille. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ce n'est pas juste. Oh mon Dieu, tu m'as tué. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en prie. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, je t'en prie. Je t'en prie, maman, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, personne ne devrait être blessé, maman, s'il te plaît. Maman, je t'en prie. Maman, écoute. En fait, Jude a quelque chose à te dire. N'est-ce pas juste? Maman, s'il te plaît, que ça reste entre nous. Laisse-moi la paix. N'importe quel chiffre, n'importe quel. Je te le donnerai. Maman, ok, maman, juste... Maman, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Cet enfant m'a tué. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Elle m'a tué. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en prie. Maman, regarde ce que je lui ai. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Voici un chèque, ok? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, prends-le. Ça reste entre nous, s'il te plaît. Maman, Marissa ne doit pas la prendre. Marissa ne doit pas être au courant de ça, s'il te plaît, maman. Prends-le, s'il te plaît. Maman, nous sommes désolés. Que ça reste entre nous. Maman, je t'en prie. S'il te plaît. Maman, je suis désolée. Marissa est ta sœur. Je sais, maman. Vous pouvez négocier mon silence. Mais vous ne pouvez pas négocier la vérité. Maman, s'il te plaît. Maman, nous sommes désolées. Maman, nous sommes désolées, maman. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? Maman, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maman, s'il te plaît. Maman. Maman. S'il te plaît. Ne m'appelez pas! Que vais-je dire à mes ennemis? Venez m'ouvrir cette porte! Maman. Maman, nous sommes désolés. Maman, s'il te plaît. Toi? Oui, moi. De toute façon, qu'est-ce que je peux t'offrir? Cocktail. Cerveza. Un cocktail. Tu n'as pas l'air très bien. Je me demande pourquoi. Martha est ton amie. Je ne le suis pas. Tu le seras. La nuit est encore longue. Écoute, cette nuit n'est pas très bonne. Je n'ai pas le temps ni même la patience de parler. Moi non plus. Qu'est-ce que tu veux? Simple, patient. Martha est ton ami. Et tu es le mari de Marissa.
J'imagine que nous allons passer toute la nuit à dire qui nous sommes pour qui, ou décider de nous amuser et mettre tout ce stress de côté. Quittons cet endroit. Où étais-tu la nuit dernière? Je ne te regarde pas. Oh, vraiment? Ouais. Écoute, Jude, tu ne voudras pas jouer à ce jeu avec moi. Où tu le veux? De quel jeu? Fais très attention. Oh, salut, Casey. Salut. Viens là. Je viens en paix. Je demande pardon à toi et à mon ami Jude. Je dois admettre que je suis allé trop loin. Oh, c'est vraiment chou de ta part. Viens là. Bébé. Salut, mec. Salut, mec. Je suis désolé pour l'autre jour. Je suis aussi désolé. Allez, mec, embrassons-nous. Comment va Marissa? Elle est en voyage. Oh, je vois. Tu veux le petit déjeuner, n'est-ce pas? Ouais. En fait, j'ai mangé quelque chose avant de quitter la maison. Mais une telle offre, je ne peux pas la rejeter, alors je vais prendre un petit truc pour ne pas te faire de la peine, d'accord? D'accord, bien sûr que je vais le faire. J'arrive. Un moment. Ah, Marissa. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu as l'air en bonne santé et rafraîchie. Bien sûr que je suis en bonne santé et rafraîchie. Assieds-toi. Merci. Merci. Alors? Alors, comment te portes-tu? Je me porte bien. Merci beaucoup de m'avoir poussée à faire une expérience aussi incroyable. C'était... Alors? Ça te dit de partager ce que tu as appris? Eh bien, tout arrive pour une raison. Et pour toute action, il y a une raison. C'est juste une grande question. Pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne parle dans un sens destructif. Oh, bien sûr. Je sais que c'est dans un sens cognitif. Autodiscipline et contrôle. Contrairement à l'obsession. L'obsession maladive, tu sais, sans justification, Nikos. C'est vrai, vous avez lu mes pensées. Oh, bien sûr, c'est ce que je fais. C'est mon boulot. Et voici mon bureau.
J'essaie encore de le comprendre, mais c'est vraiment génial d'avoir pris conscience. Au fait, j'ai écrit beaucoup récemment, comme vous l'avez demandé. Waouh! J'ai même constaté que, même quand je n'ai rien à écrire, une fois que je mets ma douleur sur écrit, ça évoque mon subconscient. Et je... Waouh! J'écris et j'ai découvert qu'en écrivant, j'apprends beaucoup sur moi et mon environnement. Et pourtant, avant, je ne pouvais pas du tout le voir. Parce que quand je relis les choses que j'ai écrites, je deviens plus cultivée. J'ai l'impression de débloquer quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. Merci beaucoup, docteur, pour votre aide. C'est un travail remarquable que vous avez fait là. Et je suis vraiment désolée pour la mort tragique de votre femme. La mort est le pire des cauchemars du véritable amour. Désolée. Merci beaucoup, Marissa. Tu as vraiment un très grand cœur. Docteur, je suis juste humaine. En réalité, Jenny m'a parlé de la mort tragique de votre femme du cancer. Et c'est incroyable ce que vous faites pour vos patients ici. Alors je me suis dit que je devais vous encourager aussi. Vous avez aussi besoin d'encouragement. Marissa, tu dois toujours te faire passer en avant. Je dois toujours me faire passer avant. C'est bon. J'arrive, je vais ouvrir à caisse. D'accord, ma chère. Salut, bébé. Salut, mon cœur. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Oh. Hey, eh bien. Sois le bienvenu. C'est la fête. Salut, frérot. Comment tu vas? Ça fait du bien de t'avoir. Ouais, je peux voir que mon siège est déjà prêt. Ouais. Oh. Waouh. Eh bien, je suis tellement contente que mes bouts de choux soient redevenus amis. À quoi ressembleraient les dîners du samedi sans caisser de toute façon? Ah bon? Miam, miam. C'est vraiment délicieux. Oh, j'adore. Tu m'as vraiment manqué. Tu m'as aussi manqué. Tu aimes? J'adore. Ok. D'accord. Martin, c'est impoli d'avoir son téléphone en mangeant. Fils de pute! Martin. Qu'est-ce qui se passe? Martin, tu vas bien? Martha! Martha! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Et pourquoi est-ce qu'elle t'a regardé comme ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais à te voir. Espèce de traînée! Oh! Traverse mon territoire une fois de plus et je te montrerai de quel bois je me chauffe. Ça, c'est pour ta sœur, espèce de pétasse! Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé ce soir. Je te promets de lui parler quand elle va rentrer. C'est bon. Tout va très bien, d'accord? Prends juste soin de toi d'abord, d'accord? Toi d'abord, Marissa. Prends soin de toi d'abord.
Merci pour l'hospitalité. Passez une bonne soirée, les amis. Ok, je vais t'accompagner. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui m'appelle? Salut, Jenny, comment tu vas? Martha vient d'être admise à l'hôpital et on a urgentement besoin de toi. Quoi? Martha? Jenny dit qu'elle a été admise à l'hôpital. Je dois partir maintenant. Je viens avec toi. Franchement, je peux pas dire ce qui s'est passé. On dînait avec son copain, et puis elle s'est mise en colère et sa main tremblait. Je croyais qu'elle allait blesser quelqu'un. Et puis, tout à coup, elle s'est levée et elle est sortie. Mérissa, calme-toi, calme-toi. Le docteur qui l'a emmenée est ici. Son amie, Stéphanie, c'est comme ça qu'elle a dit qu'elle s'appelle. Stéphanie est sa meilleure amie. Est-ce qu'elle t'a dit ce qui s'est passé? Comment elle a trouvé et où elle a trouvé? Pas vraiment. Elle n'a pas dit grand-chose. Mais elle a beaucoup de bleu sur son visage. Mon Dieu. Ouais. Et il n'y a aucun signe de viol. Je peux te le rassurer. Peut-être qu'elle querellait violemment et ont perdu le contrôle. Alors Stéphanie a dû l'amener ici. Comment est-ce que tu sais cela? Parce que c'est ce que les filles font tout le temps. Viens. Venez, je vous en prie, allons à l'intérieur. En fait, c'est la procédure. Faire le contrôle total sur un patient, qu'il soit féminin ou masculin. Il est indispensable de faire un contrôle total pour voir ce que nous devons traiter. Marissa. Martha est enceinte. Ouais, elle est déjà à 6 semaines. Elle est quoi? Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu as dit? Ma puce, c'est bon. Chut, détends-toi. Que t'est-il arrivé? S'il te plaît, laisse ma patiente se reposer. Docteur, comment va le bébé? Le bébé, hors de danger, en sécurité, en santé. Ok, vas-y, dors. Ok, détends-toi. Jude, nous devons informer Casey. Ça fait juste 6 semaines. C'est dire que Casey n'est pas le père. Nonso, alors. J'imagine qu'elle a déjà rompu avec Nonso. Comment le lui dire? Non, ce n'est pas le père. Oh mon Dieu, Martha. Si Casey n'est pas le père, ni Nonso. Sortez tout le monde, s'il vous plaît, dehors. Ma patiente a besoin de repos. Vous pourriez en reparler après sa sortie. Ok. S'il te plaît, rendors-toi. Je sais ce que tu vas dire, mais je vais bien. Je vais très bien. Tu sais ce qui est le plus marrant que d'être une mère? Être une tante. Ça, c'est si elle est prête à donner l'enfant. Bien sûr qu'elle le fera. Je vais m'en assurer. Si elle ne veut pas prendre la responsabilité de le lever, je le ferai. Mais elle ne va certainement pas avorter cette grossesse. Dan, je ne suis pas seulement dans la merde. Je suis une merde. Je ne sais pas quoi faire, je suis confus. Mec, c'est vraiment mal. Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Comment as-tu pu? Et moi qui croyais que nous étions des frères. Et Casey est notre ami. Non, je me confie en toi.
Je ne pense pas que me blâmer pour tout ce qui se passe actuellement va résoudre les choses. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin des solutions maintenant. Aide-moi. Je suis vraiment confus. Je ne veux pas perdre Marissa. Je l'aime. Écoute, Jude. Je m'attendais à une autre personne. Mais... la sœur de Marissa? Oh non, 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 non. Non, non. Non, comment pouvons-nous te faire confiance dans les affaires, Jude? Hé, pas là-bas. Écoute, ma vie sexuelle est une chose. Et mon argent est une autre. Ok? C'est vraiment malheureux, mec. Est-ce que Marissa aurait déjà des soupçons? Non. S'il te plaît, ne le dis pas à Vivian. Je vais le régler moi-même. Bref, je vais trouver un moyen de le faire. Comment es-tu sûr de ça? Très bien. J'ai l'impression que ta tête va exploser. S'il te plaît, essaie de te détendre. On va reparler plus tard. Bébé. Bébé, c'est bon, d'accord? C'est bon. C'est bon. C'est bon, ok? Arrête de pleurer. Chérie. Chérie. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Je t'aime beaucoup, ok? Rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. Allez, ça va. Arrête de pleurer. C'est bon, ne pleure plus. Ok? Lève-toi. Ça ira. Je suis avec toi. Ah, Marissa. Tu sais que tu es l'une de mes nièces préférées. Tu nous as tous appelés aujourd'hui. Et nous sommes tous là. Ah, alors? C'est le bon moment pour toi pour nous faire savoir pourquoi tu nous as appelés dans cette réunion. Merci beaucoup, tonton. Je vous remercie d'avoir honoré à mon invitation. Vous savez, les 5 dernières années, j'ai essayé de remplir mon foyer avec des enfants. Tu sais, Marissa, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Marissa, c'est Dieu qui donne les enfants. Et Dieu te donnera les tiens. Mais ce sera au moment approprié. Alors, s'il te plaît. Oui, mon oncle, mais... Mon cœur. Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça seul. Je t'aime. Maintenant et pour toujours. Tonton. J'ai dit à Marissa, maintes fois que je n'ai que faire des enfants. Je m'en fiche. Je m'en fiche de ça. Je t'aime. Je t'aime, ok? Attends une minute. Marissa, es-tu en train de suggérer que je te donne mon bébé? J'ai mal fait de demander, Martha. Tu as perdu la tête! Hey. Martha, ma fille, je t'en supplie. Considère ta sœur. Elle est mariée, mais pas toi. Oh? Maman, lâche-moi. Rose. Oui. Tu es en train de devenir folle. Martha, je suis en train de devenir folle, sachant que mon mari est le père de cette chose que tu portes dans ton ventre. Hein? Hey! Jude! Martha! Rose! Hey! Aro! Abomination!
bébé. N'ose pas t'approcher de moi. Espèce de merde adultère. Maintenant et toujours, tu as dit. Des nuits, après nuit, après nuit, après nuit. Toi qui prétends m'aimer, tu m'as drogué. Avorte ce bébé. Je t'en supplie. Si tu le veux, je peux me mettre à genoux. Je l'ai dit. Et je vais le redire encore. Ça n'arrivera jamais. Regarde mon visage. Regarde mon corps. Dieu merci, Marissa est à table à cette heure. Je le jure, je t'aurais poignardé, espèce de bâtard sans scrupule. Je te supplie, s'il te plaît. Je me mets à genoux si tu veux. Va au diable. Je vais garder cet enfant. Tôt ou tard, Marissa devra savoir qui est le véritable père de cet enfant. Oh, ça c'est si Stéphanie ne porte pas en elle ton petit bâtard aussi. Ça me fera tellement plaisir de voir ton petit mariage s'écrouler. Je vais te tuer. J'aimerais te voir l'essayer. Martha, tu es ma sœur. Ma seule sœur que j'ai, tu me fais ça? Je suis morte et je suis revenue à la vie en suffoquant. Comment as-tu pu? Marissa, s'il te plaît, ne toucher. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore de moi, je te jure que je te tuerai. Je te jure que je te tuerai. Dieu. Maman, tu n'as même pas dit un mot. Je te connais depuis plus de 31 ans et je sais comment tu réagis dans des cas pareils. Maman, ça fait combien de temps que tu le sais? Ma fille, je voulais te le dire. Mais j'ai eu peur que ça devait te plaire. Oh, maman, s'il te plaît. Mm-hmm. Arrête avec cette hypocrisie. Je ne suis pas le seul mouton noir ici. Marissa, maman ici présente a pris l'argent pour son silence. Nous sommes tous dans cette trahison ensemble. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde fait semblant d'être un saint? Ok, vas-y. Frappe ta mère comme tu m'as frappé, espèce de connasse. Mais... Je t'en supplie. Je veux que tu regardes les choses d'un autre angle. Tu as essayé durant ces 5 années d'avoir un enfant pour ton mari. Peut-être c'est de cette manière que Dieu veut mener ses combats pour toi. Qui d'autre pouvait faire un enfant pour toi? Si ce n'est personne d'autre que ta sœur. Ma sœur a couché avec mon mari. Elle m'a trahi. Et pourtant, elle n'a même pas de remords. Et si tu dois savoir, Marissa, ton mari ici présent a passé son temps à se taper mon amie Stéphanie. Alors tu vois, ce n'est pas moi le problème ici, ton mari l'est. Est-ce que tu vas la fermer? Ferme ta bouche rapidement. Et toi? Tu vois? Est-ce que tu as vu? Et ton orgueil? Et regardez-la, elle s'effondre. Allez, regardez-la. Ma fille, Marissa! Marissa! Marissa, ma fille! Marissa! S'il te plaît, les clés de la voiture. Marissa! Les clés de la voiture, s'il te plaît. Hey! Va chercher les clés de la voiture, Marissa, s'il te plaît. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hey! Voilà la clé de ta voiture. Oh mon Dieu. Ta sœur de même sang. S'il te plaît, aide-moi ouvrir la porte. Marissa a vraiment traversé beaucoup ces dernières semaines. Sérieusement. J'aurais bien voulu faire quelque chose comme lui donner un câlin pendant une semaine à moi. Lui retirer cette douleur. Cette pauvre fille a beaucoup traversé.
Je vais lui parler, ok? Ce serait parfait. En écrivant tes expériences, ça t'aide à comprendre ton mari, n'est-ce pas? Tu as compris qu'à chaque fois que tu prenais un verre avec lui ou de Martha, tu ne te souvenais de rien. L'esprit de conscience, présence et attention, tu as reçu cela. Parfois, j'aurais aimé ne pas le découvrir. Est-ce que tu te sens mieux dans la vérité ou l'obscurité? Merci beaucoup, docteur. Merci. Je serai là régulièrement, ok? Ok. Terminé? Oui. Salut toi, comment tu vas? Salut Ginny. Au moins aujourd'hui tu souris. Ouais, félicitations. Félicitations ma puce. Tu sais quoi? T'es enceinte. Quoi? Ouais. Mon Dieu, non. Non, 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 ça ne peut pas arriver, mon Dieu, non. Pas maintenant. Quoi? Je ne veux plus avoir affaire à cet homme, s'il te plaît. Oh, Seigneur. C'est quoi tout ça? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Hé, réfléchis-y. Jenny, s'il te plaît. Prends ton temps pour y réfléchir. Prends juste ton temps et réfléchis bien. D'accord? Pourquoi ça doit arriver maintenant? Officier! Hey! Vous ne pouvez pas me faire ça! Dites-moi! Ce n'est pas nécessaire! Monsieur, avancez! Je vous expliquerai lorsque nous arriverons. Mais... Allez, avancez! Embarquez-le, embarquez-le, embarquez-le! Je vous en supplie, avancez! Hein? Allons-y! Allez! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Adieu, Marissa. Je vous en prie, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est moi. Comment pourrais-je vous aider? Vous allez devoir nous suivre au poste. Pour quoi faire? Pour le meurtre de Martha à Guilly. La mort? Martha est morte? Hé, ne prétendez pas ne pas être au courant. Je n'ai pas le temps pour ça. Maman? J'ai dit, retournez à vous et avancez. Allez, maintenant. Suivez-nous au poste. Je vous... Ne dites pas un mot. Maintenant, avancez. Avancez! Ma fille! Allons au poste! Ma fille! Ne me touche pas! Ne me touchez pas! Une fois au poste, vous allez vous expliquer! On y va! On y va! Je ne connais rien! J'ai dit d'avancer! Vous allez vous expliquer quand vous arriverez au poste! Allez, avancez! Avancez! On y va! Avancez! 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 Quand vous arriverez au poste, vous allez vous expliquer! Vous allez vous expliquer! Ne vous en faites pas! Ne vous en faites pas! Allez, entrez! Allez, entrez, entrez. Faites-le entrer, faites-le entrer. Honnêtement, Perlin, nous avons discuté la nuit dernière par rapport au bébé. Je lui ai dit de faire un avortement, mais elle a complètement refusé. Alors je suis parti,
La dernière fois que je l'ai vue était la nuit où elle est venue m'attaquer pour avoir couché avec son amant, qui est le mari de quelqu'un d'autre. Pouvez-vous imaginer cela? Une garce. Intéressant. Donc vous l'avez tué? Je n'ai pas tué Martha. Pourquoi je le ferais? Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je sonne juste du bon sexe. Je peux coucher avec son amant, mais je ne lui planterai jamais un couteau au dos. Regardez, au lieu de perdre votre temps avec moi, allez déranger le couple avec lequel elle a foiré. Peut-être que l'un d'eux est coupable ou alors tous les deux. J'étais malade. Pendant des jours, j'étais à l'hôpital en train de trouver une raison de continuer à vivre. Personne ne peut traverser ce que j'ai traversé et rester la même. Donc vous avez tué votre sœur? N'avez-vous pas entendu ce que je viens de dire? J'ai dit que j'étais à l'hôpital au moment du meurtre. J'ai un alibi. Madame, vous parlez avec des termes purement criminels. Allez au diable. Vous avez toutes les deux eu une dispute cette nuit à propos du bébé. C'est très correct, officier. Et vous l'avez tué? Je ne l'ai pas... Vous mentez! Je suis honnête, officier. Je ne l'ai pas tué. Cette nuit, nous avons trouvé un téléphone abandonné dans votre maison. Martha était en train d'enregistrer. Pas vrai? Je n'ai aucune idée. Vous avez tous les deux eu une dispute sur le fait qu'il fallait qu'elle aborte. Exactement, c'est ça. Et elle a refusé. Alors à cause de ça, vous l'avez frappé jusqu'à la mort. Officier, je suis honnête. Je n'ai pas tué Martha. Je ne l'ai pas fait. Hé! Hey! Ma question est de savoir où vous avez disposé le corps. Officier, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas tué Martha. Je ne l'ai pas fait. Jeune homme, j'ai bien peur que vous périssiez en prison. Oh. Officier, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de sa mort. Peux-tu sortir cet homme, ce criminel hors de cette pièce maintenant? Lèvez-vous. Je n'ai aucune idée. Lèvez-vous. Fous-le à la porte. Lèvez-vous, allez. Va le sortir. Oh, tu le mérites vraiment, Marissa. Félicitations. Tu vas bientôt devenir une maman. Oh, Marissa, tu vas bientôt devenir une mère. Je suis vraiment contente pour toi, ma puce. Merci beaucoup, mon cœur. Merci pour tout, pour les encouragements. Je suis vraiment reconnaissante. Tu apprécies, ok? Ouais, c'est bon. Viviane, patiente, je te rappelle. D'accord. J'arrive. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, t'es pas la bienvenue chez moi, va-t'en. S'il te plaît, ma fille. Pardonne-moi et aie pitié de moi. Que je te pardonne? Par où est-ce que je vais commencer? Ma sœur est morte. Mon mari est en prison pour l'avoir tuée. Pourquoi? À cause d'une affaire dangereuse dont tu croyais en être la bénéficiaire. Tu te rappelles? Tu as justifié une trahison. Tu as pris de l'argent pour le silence et tu m'appelles ta fille, comment? Ma fille, je n'arrive plus à dormir la nuit. Je suis seule, je suis seule. Vraiment? Tu te sens seule? Maman, c'est très bien. Très bien fait pour toi. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. C'est juste le début de ton karma. S'il te plaît, va-t'en de chez moi. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Maman, va-t'en, je ne veux pas te pousser. Pardonne-moi, ma fille, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en, je vais fermer ma porte. C'est quoi tout ça? Hey, chez moi. Pardonne-moi. Comment est-ce que tout ceci est arrivé? Hey.
Loulou et Kessy t'ont mis hors du projet. La clause dans le contrat du partenaire leur permet de le faire. Tant que le partenaire est impliqué dans une affaire criminelle. Bébé. Je suis désolé de tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi. Toutes les nuits, je me couche abasourdie. Je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas rêver. Si je ferme les yeux, je te vois coucher avec elle. Est-ce que je vais pouvoir me remettre de cette douleur, cette trahison? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Elle est morte de toute façon. Mais pourquoi l'as-tu tuée? Pourquoi l'as-tu tuée? Je ne l'ai pas tuée. Je ne suis pas responsable de sa mort. La loi dit que je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait. Peu importe. Marissa, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et tu es enceinte. Enceinte. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Ma femme est enceinte. Oui. J'ai commis le pire, mon père. Je n'ai pas réalisé la gravité de ce que je faisais et quand je le faisais. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma sœur, mes amis et ma famille. Je mérite chaque partie des conséquences que je traverse aujourd'hui. Mon père, je serais mieux morte. Ma fille, écoute, ce n'est pas vrai. Peu importe ce que tu as fait, c'est au passé. Repens-toi et demande pardon à Dieu. Il te pardonnera et te fera miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de deuxième chance. Il te donnera un nouveau début, une nouvelle vie, une nouvelle identité, si tu lui offres ton cœur. Officier! Officier, je suis innocent! Allez, la ferme! Officier, je ne l'ai pas tué! Officier! Allez, dégage! Monsieur, je ne l'ai pas tué! Allez, ferme ta bouche! Boucle-la, espèce de menteur! Je ne l'ai pas fait! C'est la vérité! Tu veux que je te donne un coup, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas! Je vais te donner une leçon! Tu verras bien! Criminel! Allez, dégage de là! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.